Et il me semble qu'on avait plutôt bien terminé la dernière fois. On est à moitié de réservoir. Moitié de réservoir. On avait quoi comme scénario? On avait. Oh, je me souviens, j'aurais dû la laisser. On peut commencer par ça. Ou trop occupé pour un camp de Reaper. Nettoyer un camp de Reaper pour Copland. Je suis en train de faire copain-copain avec Copland. Ce serait peut-être pas mal de commencer par ça. Il y a un autre camp ennemi. Et on a. Peut-être qu'on pourrait sortir Boozer un peu de son mal. Là. Virée imminente, personne n'avait senti le truc arriver. Seul contrôle le monde. On est à 83% en plus. Peut-être. Ouais, on va commencer par ça. Ensuite, j'enchaînerai certainement par virée imminente. Peut-être regarder où est-ce que ça se trouve en fait. Ok, ça c'est. Il y a peut-être plus proche. Il y a peut-être plus proche. Le camp de bandits là. Ah non, il est encore plus haut. Ok. Virée imminente, du coup, c'est beaucoup plus près. Et on a. J'aurais dû la laisser qui se trouve à Perpète les Oies. Et les Oies, c'est. Ah oui, bah oui, c'est forcément au mémorial. Mais on peut se téléporter jusqu'ici. Donc on va se téléporter ici. Impossible pendant un affrontement. Quel affrontement? De quoi il me parle? Sérieusement. Il n'y a aucun affrontement là. On n'est pas en affrontement, on vient juste de commencer. C'est pas possible. Donc c'était celle-là. Hein. Il me semble. Yes. On va s'éloigner un petit peu. Ah putain, il y avait un loup là. Il y avait un loup, c'était pour ça. Oh putain, il y a des zombies partout là. Ah, je peux plus la piffrer, je peux plus l'entendre elle. I expected you back by now. Did you find the girl, Lisa? No, the Rippers cut her up pretty bad. She didn't make it. God damn it! We needed her. Now the digging's going to get even further behind. Démerde-toi. Look on the bright side, Tuck. One less mouth to feed. Yeah. You get out there and find me some more bodies, or there won't be any mouths left to feed. Tuck her out. Ouais, bah qu'elle aille se faire foutre. Elle a pas l'air d'avoir besoin de. Elle a pas l'air d'avoir trop de soucis. Ok, on est arrivé au lieu indiqué. On devrait pouvoir passer par là, je pense. Il y a certainement moyen. J'ai même pas fait attention, voir si j'avais des munes. Ouais, j'ai des munes. Sauvegarde. On est à 85 mètres. Je suis sûr qu'on peut passer par là. Je suis sûr qu'on peut les contourner. À tout hasard, est-ce que j'ai un silencieux pour le. Oh yeah! J'ai un silencieux pour la Kalash. Prendre quelques précautions quand même. Oh, quelque chose me dit qu'on est déjà en fait dans leur camp. Can use this. Ok, parfait. Qui c'est qui gueule comme ça là?
What the fuck? Vous trouverez des camps ennemis dans toute la région de Farwell, maraudeurs, rippers, anarchistes, autant d'assassins et de voleurs qui s'attaquent aux innocents. Nettoyez ces camps pour protéger les campements à proximité. Ok. Whose man are you awake? Boozer. Pourquoi tu veux parler à Boozer maintenant, là? Just feeling a little out of it, you know. Look, I'm on my way up to Separation Meadow. Cope says there's a Ripper camp up there. Rippers? This far north? Yeah, Boozer. What the hell's going on with these guys? Alki said the Rippers were looking for us. That we had a price on our head. What the hell? How's that possible? I mean, sure, I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Not that I remember. Yeah, that's what I thought. Rippers. Deacon out. J'ai entendu un truc, mais je vois que dalle là. Oh shit. Ok. Oh putain, c'est des Reapers ou des zombies? Peut-être un peu des deux en fait. Ok. Il y en a un là. Il est tout seul, lui? Ok, il y en a un autre là-bas, là. Ok, ils sont deux. Deux. Trois. Il y en a un troisième au fond. Ok, si on pouvait se faire les deux, là. Okay, on va essayer de se rapprocher. Et je pense que celui-là, on va pouvoir se le faire assez facilement. Il faut juste qu'il, voilà, qu'il se retourne. Bon bah voilà, bon bah c'est loupé pour l'effet de surprise. Goddamn Ripper. Oh shit. Ok, lui il va venir m'attaquer encore à corps. Ok, on va rester à couvert un petit peu. You Ripper son of a bitch! Here's your fucking path! Où est-ce que... d'où ça tire? You wanna get putain, low. D'où il tire? Ok, je le vois. Fuck! Putain, il y avait un piège là. Il y a des pièges à ours aussi là. Bunch of crazy assholes, what are you doing up here, huh? Ok, c'est bon, il y en a un qui arrive. Hop! Nickel. Là. Ouh, on a déjà quasiment fait la moitié du camp, ouais. That's nice. On va essayer de loot au fur et à mesure, comme ça on n'aura pas besoin de revenir en arrière. Putain, mais ils ont... Ouh, shit. Ok. Putain, il est un peu loin, il a... Ouh. Je crois qu'on a plus besoin du silencieux, hein. Il est déjà 40% de silencieux. Vas-y, mets-toi à couvert, s'il te plaît. Mets-toi à couvert. On est en train de se faire prendre dans tous les sens. Vas-y, sors de là. What? Putain! Ah, je l'ai vu qu'au dernier moment. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais point vu. Whose man are you awake? Boozer. Oh. Yeah, Dave. Just feeling a little out of it, you know. Look, I'm on my way up to Separation Meadow. Cope says there's a Ripper camp up there. Rippers? This far north?
Yeah, Boozer. What the hell's going on with these guys? Alki said the Rippers were looking for us, that we had a price in our head. What the hell? How's that possible? I mean, sure, I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Not that I remember. Are you on the path? Yeah, that's what I thought. Rippers. Deacon out. Ah, c'est pas mal par ici aussi. On va juste trouver un moyen de descendre sans se tuer, quoi. Jesus, Carlos, practice what you preach and give the rest. Et ceux qui étaient dans les bois là, ils venaient d'où? Ils venaient de derrière, j'arrive pas à les voir. Là, je vais être obligé de descendre par là quoi. Pas trop le choix. Ok. Ah, je les vois, mais alors pas du tout. Ok, lui on peut se le faire je pense. Sans problème. Lui pareil. Merde. 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 Ouf, good job. 4 sur 8. Il était beaucoup plus tout à l'heure. What the fuck. Ok. Ok, il y en a un là. On pourrait peut-être essayer de se la voir. Ah fuck. Oh putain, merde, 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 merde. Oh shit. Décale. Ok, bon, on n'a plus besoin de ça. Oh shit. They've been freed! Ooh. Yeah, motherfucker! Putain, maintenant on a un viseur bleu! Ah putain, ça aide vachement pour viser à la calache. Pourquoi il apparaît pas tout le temps? Putain, y a un gars en haut là. Oh, Blaise. T'es pas en mode drama ce soir? Yeah. Ok, je vais voir si. What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce que. Ah ouais, d'accord. Putain, mais non seulement. Alors, ok. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qu'est-ce qu'elle fout là? Sérieusement, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas avec eux. Elle est pas avec eux. Putain. Oh shit. Ok, faut que. Oh fuck, il y avait un camp de bandits juste à côté. Je me fais sérieusement. Sérieusement, il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, quoi. Non mais. Sérieux, un camp de bandits? Oh. Ok, snipe. Merde, je l'ai loupé. Oh putain, quel con. Là, je l'ai. C'est bon. Ok, à ton tour. Arrête de bouger. Je t'ai dit, arrête de bouger. Le gars, il s'est pas arrêté de bouger. Bah voilà, boum. Si tu veux que je te dise. T'as même pas commencé. Ah bah d'accord. Tu vas prendre du retard, Hopeless. Attention, hein. Ouh, putain. Il y a encore un gars, là. Ok, c'est les Reapers, là, qui me... je crois qu'on va se terminer les bandits. Tu mettais quoi sur YouTube? Putain.
Putain, à la base, c'était pas pour eux que j'étais là, quoi. Bon, ça a l'air d'être clean. Ok, ça c'est cool, 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 cool. Une batte. Oh, ça me fait penser. On va peut-être réparer ça. Ok, nice. Ah, je connais pas. Joyka. Il ne connaît pas. Je regarderai ce que c'est. Bon, faut qu'on aille se terminer les Reapers. Du coup, la moto, elle est super haute. Mais on va quand même monter jusqu'à la moto. À l'arrière, on pourrait la ramener jusqu'ici. Parce que vu ce qui vient de se passer, franchement, je l'aurais mauvaise si je me prenais une balle malencontreuse. Donc je vais aller sauvegarder. Je vais aller sauvegarder. Il fait du jeu vidéo? Est-ce que je rapprocherai pas ma moto du coup? Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. On risque surtout de faire du bruit, quoi, mais... Ok, tant pis, c'est pas grave. Descends là. Ah, fuck! Putain! C'est pas ça que je veux lancer en fait. C'est les bombes, s'il te plaît. Quand tu veux, ça pète, tu pètes, hein. Sérieusement. Je croyais qu'il allait se décaler. Oh la vache, mais... Ok, un... Deux... Trois... Oh putain, mais ils sont combien? Merde! Ouh... Mais non, 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 mais non. Mmh. Ok, je crois qu'il en reste un sur la droite. Putain, ils m'ont mis mal. Oh, ça va bien se passer, Hopeless. Ils vont peut-être réfléchir pour mettre en place en permanence le télétravail, hein, plus tard. Ouais, je retourne au boulot c'est lundi 23. Mais la semaine d'après, après, je suis en vacances pour 3 semaines. Pardon. J'ai encore deux semaines de télétravail. Deux petites semaines de télétravail. Puis après, une semaine au boulot. Cope, puis après, les vacances. The river's up here won't bother anyone ever. St. John, that's good news. Ah, il changera peut-être d'avis. Si la société grossit, au bout d'un moment, il n'aura pas le choix. Il sera obligé d'écouter les gens. Ce que les gens veulent. De toute façon, on va vers une véritable révolution. Enfin, ça a déjà commencé. Hein. Une putain de révolution du travail, quoi, en France. Et ouais!
Ah, j'en ai besoin. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances. C'était trop mouvementé, là. C'était... Les derniers 12 mois, là, je... Aussi bien à titre perso que... qu'à titre pro, c'était... C'était trop mouvementé. Il y avait trop de trucs. Trop de trucs. Besoin de souffler. Mais ouais, mais je veux pas bouger du coup. Je devrais peut-être essayer de bouger un petit peu. Ils ont attaché, en fait, ils ont attaché un zombie. C'est un zombie attaché, enchaîné, qui y a là. Ok, on va craft ce que l'on peut craft pour libérer l'inventaire. Ok, les cocktails. Hop. Hop. On peut rien craft d'autre. Yo, bien le bonsoir. Des... Comment vas-tu? T'as passé un bon week-end? Ah! Putain, eh, j'ai. Find that Ripper camp. Yeah, ouais, c'est bon, je les ai dit. You think they were up here looking for us? I don't know, Boozman. I was too busy stopping them from cutting my eyes out to ask. Putain, ouais, ils ont attaché un zombie, quoi. I wish I'd been there. Sure, man. Yeah, I know. T'étais où, Arnaud? Apéro, barbecue. Mais attends, mais t'es un ouf, t'es un gueudin. De 12h30 à 18h30. Putain, mais t'étais loin. Si tu viens de rentrer. Yo, enfin, re, Pixel. You out there? Copeland, yeah, I'm here. I'm guessing you got another job for me. Okay, I'll swing by. Deacon out. Photo, photo. Tu veux pas prendre une photo avec moi? Attends, je me redresse. Genre, attends. Fais une photo de famille. Non, tu veux pas? Bouge pas trop. Attends. Hey, salut. Vas-y, à contre-jour un peu, ça fait un effet de style. Attends, je peux passer en mode photo. faut que je remette la. Il y a toujours moyen de s'amuser. Oh putain, j'avais pas vu, on peut choisir le point de focus avec la souris. That's nice. Oh, fuck. Ok, hop. Mais non, mais meuf, faudrait que tu relèves un petit peu la tête. Il a pas l'air rassuré. Qu'est-ce que tu fous, la terminale? T'es en train de me prendre en photo à côté d'un zombie. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dépêche-toi! Dépêche-toi avant qu'elle se détache, bordel! Attends, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Toc, 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 toc. Champ de vision, on va augmenter un peu le champ de vision, voilà. Ok, il a vraiment pas l'air rassuré, en fait, le pauvre. Il a vraiment pas l'air rassuré. Mais faudrait qu'elle... Oh la vache. Faudrait qu'elle lève un peu la tête, là. Vas-y, elle lève la tête. Voilà, comme ça. Bouge plus! Ne bouge plus! Tu bouges plus! Attends. Focus sur sa gueule de zombie, là. Voilà. On peut zoomer un petit peu. Yeah. Avec un petit peu d'éclairage, là. Ok, Dick derrière qui regarde. On peut augmenter le champ de vision. Peut-être le rétrécir un peu. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Gros plan. Yo! Si seulement... J'arrivais à décaler vers le bas, en fait. Si je décale comme ça... Ah! Attends, bouge pas! T'as même les cheveux... Eh, le détail des cheveux, quoi. Tu sens qu'elle a commencé à perdre ses cheveux, mais c'est pas encore tout à fait... C'est pas encore tout à fait tombé, quoi. C'est horrible. C'est juste horrible. On peut retirer Beacon. Deacon, par contre. Désolé. Ok. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la luminosité? Yeah. Le contraste est pas mal. On peut incliner un petit peu. Ou pas trop. Ok. Ok. Dommage qu'il y ait, que ce soit face à un rocher, quoi.
Putain, mais regardez-moi ces détails de peau, quoi. C'est... Les zombies sont quand même vachement bien faits, quoi. On est parti à 19h30, mais j'ai oublié mes papiers et je me suis rendu compte à la moitié du chemin. Alors là, franchement, bravo. Moi, j'ai bouffé à 16h30, 17h. 16h30, 17h, vu que j'étais en stream jusqu'à 16h30, 17h. Et j'ai enchaîné deux films. J'ai regardé Babysitting de Philippe Lachaud. Franchement, cette bande-là font énormément de bien au cinéma français, je trouve. J'ai enchaîné les deux. Bon film, quoi. Bon délire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des films français un peu de cette trempe, quoi. C'est... franchement... Philippe Lachaud, je commence à devenir fan, quoi. Nicky Larson, déjà, j'avais vachement peur de Nicky Larson. Et j'ai adoré ce film, je l'ai maté 3 fois. Très bon comédien. Ok, ça suffit pour les photos. Ça suffit, on arrête. Attends, je peux pas te... C'est quoi le petit carré qu'il y a au-dessus d'elle? Pourquoi il y a un petit carré? Ok. Voilà. Et ben voilà. Moi, je suis parti du truc en fait. En me disant Nicky Larson, mais putain, ça va être de la merde. J'avais vu les teasers, les trailers. Et franchement, ça avait l'air. Le dernier Nicky Larson en film, c'était avec Jackie Chan. Et Dieu sait que j'aime Jackie Chan. J'adore Jackie Chan. Mais qu'est-ce qu'il était pourri, quoi. Et là, putain, ils ont réussi à garder l'esprit Nicky Larson, quoi. Truc, enfin... Je crois que c'est quasiment jamais arrivé que quelqu'un arrive à retranscrire aussi bien le... La mentalité, le feeling d'un dessin animé en film, quoi. C'est... Franchement, respect. Et du coup, enfin, je le connaissais pas, Philippe Lachaud, mis à part... Enfin, je le connaissais pas, je l'avais vu un petit peu à la télé, quoi. Et du coup, j'ai vu ces deux films-là sur Netflix, et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Le premier, et j'enchaînais sur le deuxième. Et la même trempe, quoi. C'est plutôt bien écrit, et c'est marrant, et... Les films français aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir quelque chose de potable, franchement. C'est vraiment hard. Vraiment hard d'avoir quelque chose de potable. Donc ça fait plaisir. Et il est bien entouré, quoi. Il est bien entouré. Le dernier qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, là, il avait l'air marrant aussi. Oh bah y a des trucs tu les vois arriver, hein. Y a des trucs tu les vois arriver, mais ça passe. La babysitting, franchement, tu t'attends au classique. Oui, ça va être maman j'ai raté, enfin non pas maman j'ai raté l'avion, mais comment ça s'appelle là, le truc de pas comme bon nombre de films de babysitting, le gamin ça va être un emmerdeur de première et tout. Et en fait, ils arrivent à te surprendre, quoi. Ils arrivent à te surprendre, c'est pas, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Donc franchement. Bien, bien, bien. Vraiment, vraiment super sympa. Est-ce qu'on a assez? On a assez de décence pour aller jusqu'à là-bas. Nice. Bon, qu'est-ce qu'il a, Boozer? On est quasiment à la fin de ce scénario. Je me demande ce qui... comment ça va se terminer, ce scénar. Mais il avait l'air d'aller un peu mieux. Je sais pas si... personne n'avait senti le truc arriver. Oula, quel truc. What the fuck? Ah, faut se reposer. Genre, on va se reposer, quoi. Ok. Alors, oula.
Ça va? They're coming. What the fuck? Oula, il pète un plomb. They won't know. I mean, they're on me. Sugar? Roger, what's going on? No! How'd you get in here? Whoa. You stay right there! Roger, it's me. Stay there. It's Deke. Let's just calm down. Don't you come any closer. Let's just I will kill you. It's all right. Come on, come with you. Take on, buddy. No, I will not! Oh, shit. Mais non. Oh, shit. Oh, Jesus Christ. Boozer, what the fuck? I heard him. I heard voices. Oh, il pète un câble. You heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You got blood poisoning. I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. Come on, we gotta get you some help. Look, I don't need some. Come on. Damn, I don't need help. Allez, Boozer. Oh la vache, t'es pas bien, mec. On peut l'emmener chez Copland, non? On peut l'emmener chez Copland. About trying to blow your head off. I mean... Ouais. No, I thought I saw something, you know? Pas comme ça que j'aimerais qu'on me réveille le matin. Tellement de manières de me réveiller le easy. Matin. Hey, watch the steps. I got this. It was in my head, you know? Ouais, bon. Avance. Yeah, I know. Allez, mec. Oh là, et regarde les escaliers au lieu de regarder le ciel, sérieux. I could hear him, Deke. Mais le gars, il marche comme ça, quoi. Arrête. Just a few more steps. Regarde devant toi. Putain, il va tenir sur la moto, là. I don't need any help. I can goddamn ouais. Walk. Oui, I ça se voit, oui. Walk. Oh okay. Putain, cette fierté okay. De merde. Est-ce qu'on a besoin de faire le plein? I don't know what happened. I saw them. So many of them, just all coming, you know? Ouais. No, come on. Allez. Get on, we gotta go. Wait. Tu m'étonnes. What? Where are we going? I don't... What? Je croyais qu'on allait où, là? Boozer. It'll help. Allez, monte your head, right? Grimpe. Yeah, okay. That'd be... good. On va chez Copland, je pense. Rouler vers le sud jusqu'à Lost Lake. Lost Lake. Mais c'est à perpète les oies. Et encore, je suis gentil parce que des oies, c'est. Okay. Mais c'est pas le camp où on a envoyé Lisa là, justement. Là, il y a même pas d'essence là. Mais il va jamais tenir. Pas possible. You remember when we first rode out of Farewell? What that was like? Yeah. Oh, cette musique. Remember. The highways were all choked up with cars. There were so many people, all on the move, thinking that if they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. No one saw it coming the way I did. So by the time they said, fuck it, you know, and started walking, and then running, it's too late. Too late. And I remember watching the freaks, watching them all come, thousands of them. And all those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. When you see a thing like that, you know it's only a matter of time before it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but... But do you know why we keep going? No. Because what the hell else are we gonna do? Yeah. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. 'Cause
Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien. I live with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eye, with a soldier's eye, with a soldier's eye, with a soldier's eyes, I've seen inside the devil's dreams where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done, but just like every other fool here, I'll keep marching on with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Prettied up before heading in. Well, you know. Yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and then just stroll into the infirmary. No, man. I'm just sick of it. No, I don't care. I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it. That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey. He'll remember. You gotta stay awake. We're off the open road, but if a freaker wanders back. Yeah, I know. Mm-hmm. All right. Hey, Deke. Yeah. Don't you kill anyone in the camp, okay? Not gonna kill anyone. You good? Never better. Il en fleur, le gars, là. Ouais, ça pue, hein. Ça pue. Hey, how's it looking out there? Ce jeu, mais ce jeu, ce passage était juste ouf. Il était juste ouf. Enfin, la musique, les deux potes là sur la moto. Oh là là. Mais je... Ah, j'en ai eu des frissons à la fin, quoi. Trop bien. Franchement, trop bien, quoi. Si vous êtes repéré, l'ennemi vous cherchera à l'endroit où vous avez été vu ou entendu. Restez caché dans une benne ou des herbes hautes, par exemple, et partez discrètement pour ne pas vous faire prendre. What? J'ai même pas bougé. J'ai même pas bougé, en fait. J'ai juste lu le truc et... Ok. Ne tue personne dans ce camp. Rendez-vous au camp de Lost Lake. Donc du coup... Ok, on va les contourner. Hein. Mais bon, il y a un feu juste derrière les rochers, hein, je veux pas dire, mais... Ah, ce passage, putain, mais il était magnifique. Magnifique. Je comprends pas pourquoi ce jeu a été autant critiqué à sa sortie, quoi. Bon, c'est vrai, il est pas parfait, mais putain, il y a vraiment... Bref. Ok, il faut qu'on atteigne là-bas le camp. Il y a quoi de spécial dans ce camp-là? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est pas faux, le gameplay, c'est du... Bah, c'est sûr, c'est du déjà vu, quoi. Mais bon, sans réinventer la roue, il le fait plutôt bien, en fait. Il le fait plutôt bien. Ok, on pourra pas aller à la nage. On sait que Dick ne,
ne nage pas super bien. Putain, ce qui veut dire qu'on est obligé de passer par là. Ah, ok. Ah, l'ambiance est folle. Est folle, je suis amoureux. Franchement, je suis amoureux. Je suis amoureux. Bon, après, moi j'adore l'ambiance. Enfin, je suis un fan des États-Unis, quoi. Donc, pas de cette ambiance un peu. Je sais pas, un peu. Enfin. Déjà, j'ai kiffé Son of Anarchy. Donc, ouais, je sais pas. J'ai envie de dire texane, parce que c'est, enfin, ces grandes étendues comme ça, un peu, enfin, la campagne américaine, je trouve qu'elle a un charme assez particulier. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils sont super nombreux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 gars, quoi. Ok, lui, il faut qu'on réussisse à l'emmener loin. Oh, ça fait plouf, dis donc. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tu vois, là, tu vois, je te rejoins, Pixel. Someone is here. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Non, il est pas moche. Ah, il y a des paysages de ouf. Il y a des paysages de ouf. Ça se voit que, enfin, ils ont fait un sacré taf quand même. Puis, enfin, l'open world, il est solide, je trouve. Il est vraiment solide, l'open world. Lisa? Ah ouais, bah c'est bien là. En fait, c'est le camp où on a envoyé Lisa. Attends, mais du coup, c'est pas nos potes en fait ici. On a envoyé Lisa ici, on peut pas rentrer dans ce camp comme on veut, quoi. Après, on est avec un reshade, hein. On est avec un reshade. Oh shit, oh shit, oh shit. Ouh. C'est juste. Parce que sans le reshade, c'est fade, quoi. Enfin, moi, je trouve vraiment super fade. C'est... Il y a qu'un jeu vraiment stylisé, c'était sur PlayStation. Lisa, c'est une gamine qu'on a... C'est la gamine qu'on a sauvée dans la ville, là, qui était un peu perturbée. On l'a ramené chez Tucker, la vieille. Et en fait, Tucker. Merde. Exploiter la gamine, quoi. Forcément. Et du coup, ça s'est mal passé. Et on l'a sauvée parce que c'était assez fait kidnapper. Oh shit. Elle s'est fait kidnapper, on est allé la sauver. Et du coup, au lieu de la renvoyer chez Tucker parce que cette vieille conne là, elle exploite tout le monde à la ferme. Donc du coup, on l'a envoyée avec une copine à nous. Qu'on n'avait jamais vue encore. Et du coup, ça a l'air d'être une copine qui est dans ce camp-là. No way! Come on! Oh! Me dis pas que je vais recommencer depuis le début. On est où? Ok, c'est pas du tout le même chemin. C'est pas du tout ce chemin-là que j'avais pris, mais c'est pas grave.
Putain, mais il y a des gardes partout. Il est vachement bien gardé, ce camp. What? Wait, what? A rock? Wait, what? Hein? Oh. Something's out here. You see anything? Je peux passer par la fenêtre, là? You crap. Shit. La roulade de merde. La roulade de merde. Ça, c'est de la vieille mécanique. De la vieille mécanique, et ça a tendance à me péter les couilles parce que... Il y a tellement moyen de rendre un peu plus dynamique ce genre de passage, quoi. Ce genre de gameplay. Je sais pas, avec des cutscenes, avec... peut-être un peu de... comme QTE, comment on appelle ça? Enfin, je sais pas. Comment on va passer le garde là? Il va falloir qu'on le fasse se lever, c'est pas possible. Celui-là, je sais pas. Ou alors, on fait l'inverse, c'est-à-dire que. Hop. I saw something. What? Ok. Something's here. What'd you find? Iron Mike. Schizo. Son of a bitch. Joe's got scars. Oh putain, sérieusement? Exactement, ouais, le QTE, c'est ça. Faut pas trop en abuser, mais je trouve que dans certaines parties du jeu, dans certains passages, ça peut vraiment être utilisé et ajouter un certain dynamisme. Parce que là, c'est au millimètre près, quoi. Faut vraiment faire le bon mouvement au bon moment pour être sûr de. Shit, Iron Mike, Schizo, son of a bitch. Oh putain! De ce côté-là, il y a des buissons là, juste là. Peut-être que je me prends trop la tête, peut-être pas passer sur le en plein milieu. Ouais. What's up? Ouais, c'est fait pour passer par là en fait. What? Qui a vu quoi? Y'a rien à voir ici. Ah, bah Quantic Dream, voilà, ils. Enfin, leurs jeux sont basés là-dessus, quoi. Et sur la narration. Mis à part Heavy Rain et Fahrenheit. En fait, j'ai pas réussi à tenir hey sur les Quantic Dream. Putain, m'a fait flipper cette conne. Iron Mike, Schizo, son of a bitch. Butchered. Christ, it took us 3 hours to rake up all the body parts. I didn't want to leave him for the freaks. J'ai pas fait le dernier. Le dernier avait l'air sympa. C'est comment il s'appelle? C'est Boston. Dans le genre. Heck was that? Merde. Shit. C3, voilà. Become human, yeah. Il avait l'air plutôt cool. On va attendre qu'elle se casse. Il avait l'air plutôt cool. J'ai recommencé deux fois celui d'avant avec la gamine, là. Je sais plus comment il s'appelle. Pas réussi à aller jusqu'au bout. Ah, tu l'as fait? Ah!
putain, il y a des... Ok. Ok, ok. Je pense qu'il y a moyen de passer juste en face là. Ok, ça passe. Just gotta find a way inside. Oh putain, c'est fermé. Oh, come on! Comment je suis censé... Je veux pas te péter la vitre, quoi. Ah ouais, ils ont vraiment été... Comment je suis censé rentrer là-dedans, là ? Peut-être pas que je fasse le tour. Il y a peut-être une fenêtre d'ouverte là. Shit. Ah, on peut forcer la serrure. Parfait. En fait, on vient ici juste pour choper des médocs. Ok, ferme la porte derrière toi, là. Ferme la porte derrière toi. Voilà. Ouh. On n'aurait pas pu juste demander... J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Ha! Oh, la Black! Attends, c'est pas une actrice connue, la Black? Elle ressemble à une actrice. Oh, shit. Oh merde. Je sais pas ce qui s'est passé avec elle. Right? You can't shoot a woman unless you have to. What the fuck? You have to. Motherfucker. Ah, j'ai trop envie de connaître leur passé. Okay, look, why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you selling narcotics for Tucker now? You know when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. No, it's not narcotics. What? It's antibiotics. Boozer's sick. He's got blood poisoning. Mike had no place else to go. Blood poisoning? What happened? Does it matter? Oh, le jeu est pas mal aussi là. Bring him in. Go and get him. Bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is, and I don't care what Iron Mike thinks. When a man is sick, a man is sick. Putain, la Black, elle est intense. We have to look out for each other. Baby is all we got. Come on, I'll give you a ride. Elle a level up le... La scène, la Black, un truc de ouf. J'ai kiffé. Which way we headed? You remember? Ok, plus besoin de se cacher maintenant. Hey, good. Yeah, I remember. You call this a bike? It may not be a fancy drifter bike, but it gets the job done. Get on. À mon avis, on a dû passer un bon petit moment ensemble et Dick a fait sa bite. Il a dû faire le con et les entuber ou un truc dans le genre, quoi. À mon avis, il a dû faire le con. So, how's she doing? The girl that I brought in, Lisa. Are you gonna take me to see her? No. God damn it, Ricky. What the hell? Why not? I can't. She's not here. Wait, hold on for a second. Where is she? A few days ago, Schizo assigned her to a scavenge run. She and three others headed over to the rogue camp to look for supplies. They came back without her. You're telling me they left her? They left her out in the shit? They didn't leave anyone. They said she ran off. Jesus! Ça s'est enfui?
It could have been anything. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. What was Schizo thinking, sending her out on a supply run? Everyone's gotta work, Deke. That's the deal, and you know it. I don't believe this shit. Look, she'd been surviving in Marion Forks for years when I found her. Yeah, then maybe you should have left her there. Oh, shit. Ils ont perdu Lisa. On va devoir encore aller la chercher, quoi. Who's there? Get back to me before you cut them off. It's me. No, get back! Ça va pas, toi. Toi, ça va pas, toi. Hey. T'as une gueule hey, de merde. It's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Et quand les gens sont souriants, ils font cette gueule-là en te parlant, yeah. C'est que ça va pas. Come hello to Lost Lake? Yeah. Yeah, man. Hold on. That's right. How are you doing there, Loser? You doing all right? Just PG. Pas PG, ouais. It still didn't give you the right to steal our shit. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do, huh? I don't know. Maybe ask. Ouais, ça a été pas mal, ouais. Look at you guys, the biker boys. The most badass drifters in this shit, right? Now you come back crawling to Iron Mike. Oh, wait. If you'll let you. Come on, just help me get him back to Addy. Let's go. Come on, pal. I still need your help. Okay. Ricky. Yeah, Boozer Ricky. Okay, ça va aller là ou... Ah, faut que tu veux monter avec, tu veux pas monter avec elle? Faut que tu montes avec moi. Putain de fierté quand même. Hein. Ah ouais, tu... Jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Wait, where are we going? Addy said... She's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. I can ride. Damn it. Not sa- Damn it. Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm and then... No. You know what it's like there, Deke. No, you're not thinking straight. This isn't the Hot Springs. This is Lost Lake. Iron Mike. Remember him? Iron Mike? Who's gonna get us killed? He said... That was a long time ago. They built the place up. They got more people. We're all gonna fucking die. We'll be long gone before anything like that happens. Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addy, just, look, she'll take care of it. Just a couple of days. Yeah, then we ride the hell out of here. Ride north. Like you said. Get the hell away from all this. Yeah. Yeah, we ride north. Leave all this shit behind. Putain de mec quoi, il peut pas juste accepter le fait qu'on s'occupe de lui un petit peu là, non? Okay, so I'm gonna go back and check on him and make sure he's okay. Coward. Yeah, you got that right. Well, how long? And until he can ride, I mean. You mean how long do you have to be here? Look, we have antibiotics, but it's not enough. Ouais, ça va. Iron Mike lets you stay. Your friend will have a chance. Ok, je sens qu'on va avoir une conversation. So what happened? How'd he burn down like that? We ran into some rippers south of Belknap. Guess they didn't like his tattoos. Jesus. I've heard about them doing shit like that to themselves, but not to people they're trying to recruit. Boozer wasn't any goddamn recruit. Guess Tucker should have made a deal with them like Iron Mike. Come on, Ricky, he doesn't get it. Carlos isn't gonna honor any deal with Lost Lake, not for long anyway, and Mike, he just doesn't see it. He sees more than you think. You've always had your good side, Deke. You've just been doing your best to kill it. Thanks for the vote of confidence. Ok, c'est Mike qu'on va voir là. Il a l'air d'avoir un putain d'historique quand même assez complexe entre eux là.
Bah, moi aussi, je peux ouvrir la porte, hein. Okay. You cannot believe a word he is going to say. What the fuck is Eddie that? He is soft. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we throw them out on their asses. Mike, that is not who we are. Jesus. Listen to you. And you. You tired of being Tucker's little bitch, finally? Raymond, huh? Stop it! Don't call me that! I'm pretty tired, all right. All right, enough! See? Ah ouais, you know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you! You put that shit away. Mike, Deacon was one that brought me the I know. And I know what kind of man he is. What he's done. He's done any fait? Worse than you? Ricky? How about me? We've all been out in this shit, Schizo. We've all done things we're not proud of. We need another writer. Oh, now, wait a minute. I just need a few days and some antibiotics. Elle essaie de t'aider là. I'll do whatever it takes. Sure, Mike. Whatever you say, I'm on board. Oh. Ça sent mauvais. Walk with me. Oh. Don't start with me. So you're the one who brought him in. I didn't bring them in, Schizo. Boozer needed help. Je me suis un peu incrusté dans la partie, enfin dans la fête, je suis désolé. Mais you told me you stopped running for Tucker. Sent that little girl here instead. I'm sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. Isn't that your job? How long you been drifting, you and Bill? I don't know. Like I said, time gets lost. If folks don't put down some roots, figure this shit out. Grow some food. Come next spring, won't be none of us left. If you give Boozer what he needs, let us hole up here till he can ride. Like I said, I will do whatever you need. I want you to know that as soon as he's patched up, we're gonna put together some gear, we're gonna ride north. North, huh? There's a camp up there near Smith Rock. Boozer's never been there. Anyway, got a lot of ghosts down here. It's time to move on. Fresh start, eh? Yeah, I can respect that. But go on. Leave me be. I got some thinking to do. Sure, Mike. Yeah, whatever you say. Just have Ricky radio me if you need something. C'est mon frère, c'est mon sang. Oh, je dois garder Boozer en vie. C'est quoi les pourcentages qu'il y a en bas des quêtes là? C'est la manière dont tu les différentes fins que tu peux faire. Une vieille connaissance, question de confiance, c'est tout ce qu'on a, la main à la patte. Qu'est-ce que ça représente en fait? On a débloqué une apparence. Ok. On a débloqué une arme. Ok. Arbalète de drifter. Parler à Adi. Ok. Du coup, là, on va avoir des missions maintenant dans ces. Putain, la map, elle est grande en fait. Et il y a encore toute la partie nord, parce qu'ils veulent aller dans le nord, donc on sait qu'il y a un camp au nord. La partie sud, elle est encore... Ouf ! Il y a encore un gros morceau, en fait. 760 jours écoulés. Oh la vache ! T'es pas au bout de tes peines. Je suis pas... Mais en fait, c'est pas de la peine. C'est pas de la peine, mais du coup, ça a l'air giant, quoi. Ça a l'air giant. Et on a débloqué donc ok, on a débloqué la main et la patte. Ça a débloqué des morceaux de scénario quoi. Partez faire une course pour Adi. Ah putain, on se croirait vraiment dans The Walking Dead quoi.
Genre, on part chercher des fournitures. Protéger les plus faibles. Retourner au camp de Copland. Ok, il y a Copland qui a besoin d'une mission aussi. Et on a toujours des missions d'extermination. Vas-y, hey, j'ai bien envie de faire celle-là. Là. La main à la patte. Et chercher des provisions. Ah, mais franchement, je kiffe, quoi. Après, je ferai pas. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a. Ils font aucun voyage rapide. Ils font tous les déplacements en moto. Et je comprends. Et je comprends parce que franchement, c'est kiffant. Surtout quand tu kiffes la moto. Parce que la moto est vraiment bien foutue. Le pilotage est cool. Le bruit de la moto est cool. Donc c'est kiffant. Bon, moi, je kiffe rien qu'à conduire la moto dans le, Deacon, sur les chemins de terre et is tout. Everything quoi. Okay? What's wrong? Actually, that's not why I'm here. Okay. Came by to see if there's anything you need for the infirmary. Actually, we're running low on everything. I mean, we could always use more meds, sterile bandages, instruments. Here. A Liston knife. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, you know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. I wrote down where you might be able to find one. It's the brochure for the visitor center at Sherman's camp. Yeah, yeah, the place's crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, oh, shit. Deacon. Thank you. Thanks to you. Ouh là, putain. On a une qui est en train de vomir ses tripes, là. Derrière. Couteau d'amputation. Sherman's camp. Ça pue pour Boozer, ça. Ça pue pour Boozer. Il va perdre son bras. Oh, hey. Hey. On va faire le plein de mine. Hey, I gotta ask you. I heard you riding in last night with Ricky and who's that guy? Boozer. His name is William or Bell. I've always just called him Boozer. Don't ask why. I wasn't. I mean, is he gonna be okay? I stopped by to say hi to Addie. He didn't look so good. Yeah, he's gonna be fine as soon as he's patched up. We're riding north, you got that? So just drop it, okay? Donc un nouveau camp, encore des niveaux de confiance. Okay. See ya. Dire que même celui de Copland, hey, j'ai même pas atteint le level 3 quoi. C'est quoi cette voix? Il faut arrêter de fumer, mec, hein. Let's just say that Iron Mike and I have a understanding. Huh? That's something. Bet Ricky had something to do with it. Like you said, none of your business. On se connaît ou? Ah, okay. On connaît tout le monde en fait ici. Ouais, c'est ça a l'air d'être bien bien infesté de zombies. Allez, ouvre la porte. I'll open it. Is anyone on this channel? What? O'Brien, is that you? O'Brien? Yeah, oh yeah. It's O'Brien. You still have one of our radios. Good. Okay, look. I'm gonna try and help you. Find out about the woman. Sarah Whitaker. I put her on your chopper that night. Yeah, I know, okay, but first, you gotta do something for me. Oh, mais bien sûr. You need something from me? Look, there's a digital display on your radio. I'm going to send you a coded message. Coordinates. Meet me at that location. O'Brien, what the hell is this all about? Just meet me there. There will be Nero soldiers all around me like before. Don't let them see you.
Oh, putain. Qu'est-ce qu'il va nous demander encore? Oh, Tucker. Attends, on peut pas bloquer certains appels. J'ai vraiment pas envie. Putain, c'est quoi ces points d'interrogation? J'ai vraiment pas envie d'aller voir Tucker. Même pas envie de faire des missions pour elle. Oh shit! Ça passe. Ouh. Témoin 1. Il y a des points de. J'ai vu des points d'interrogation dans la ville là. Yeah, that's right. I gotta burn out the rest of these nests. Oh, y'a un sniper ambush. Oh no. Finish burning out these nests. Here it is. Ok, effectivement, il y a l'air d'avoir pas mal de zombies. Ok, on va laisser la moto ici. Comme ça, on pourra refaire le plein après. Et on va essayer d'y aller en fufu autant que possible. Visitor center. Gotta find a way inside. Ah, lui m'a repéré, je crois. Ok, son pote m'a pas vu, parfait. What? Putain. Merde. What? C'est quoi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oh putain, merde. Attends deux secondes. Putain, j'ai fait... Attends, je lui ai mis deux headshots. Le bordel, il est resté debout, quoi. Ok, fuck. Oh. Ok. Where is it? God damn, it's gotta be close. Ok, il y a un nid juste à côté, c'est parfait. Il me faudrait un autre silencieux pour le gun. Oh shit. Shit. Ok, ça pue. En fait, c'est peut-être le... C'est peut-être le silencieux qui réduit les dégâts en fait. Ah putain, j'ai pas de hache. Fuck. C'est peut-être le silencieux qui réduit les dégâts. C'est un peu chelou. Ok. On va essayer de... Mais si, putain, pourquoi il attaquait au couteau, ce con? Ok, y a pas de zombies ici. Et de voir si on peut se choper un silencieux. Oh. Non, c'est bon, on m'a pas vu. Die. Fuck. No!
Par où? Par là? Ok, on devrait pouvoir forcer la serrure là, non? Ah. Oh merde. Ah non. La porte est fermée. Aucune fenêtre. Ouvert ici. Ok. J'ai vu qu'il y avait une échelle. On doit pouvoir monter sur le toit et sauter sur le balcon certainement. Je voulais voir tant qu'à faire si il n'y avait pas quelque chose à ramasser ici. A priori, putain, il y a des tirs de coups de. Enfin, il y a des coups de feu là. On est full en live. C'est pas John P. Je suis censé faire comment? Je suis sûr qu'il y a moyen. La porte elle est ouverte là. Oh, attends, merde. Il y a une échelle là. Il y a une échelle, on peut pas. Pas besoin de sauter en fait. Faut juste tirer là. Ok, voyons voir où est ce couteau là. Il y a du monde dans la casa là. Down here. Not much left. This place has been picked over clean. Ouais, ils ont tout dépouillé quoi. Oh 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 oh. Le voilà le couteau. Listen, knife. This is it. Gotta get it back to Addy. Ça ressemble à un couteau standard en fait, un couteau normal hein. Tout ça pour ça. On aurait pu lui couper à la scie son bras là. Ok, est-ce qu'on se ferait pas le nid tant qu'on est là? Est-ce qu'on se ferait pas le nid? Ok, on va se mettre là. Hop là. On s'est déjà fait les zombies? Ah non. Putain. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que putain que ça t'entraîne pour les headshots, hein. La vache. Plus de ça, ils ont tendance à bien esquiver quand à ton viseur sur leur tête. Non, 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 j'ai pas maté parce que j'aime pas trop me spoil. Non, c'est pas le silencieux. Putain, c'est moi qui sais pas viser quoi. Mais faut être sacrément bien équipé quoi pour les hordes. Faut maîtriser vraiment, enfin déjà avoir des putains de guns. Puis des explosifs quoi. You have no idea how badly we need this.
No problem. Glad to help. Je le serai peut-être jamais, hein. Je le serai peut-être jamais. Oh shit. Vous faites chier à tomber comme ça là. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas un autre nid, mais... T'as raison. Après... Enfin, j'ai du mal à... Parce que là, ça fait quand même, je sais pas, peut-être une quinzaine d'heures que je joue. Je regarde, avant de me lancer dans un jeu, surtout en stream, je regarde quand même le temps pour, de complétion. Enfin, le temps qu'il faut pour finir en moyenne l'histoire, quoi. Et j'ai vu que l'histoire, t'es... 17h, 18h, tu devrais pouvoir la terminer. Après, le truc, c'est que j'ai pris tellement de plaisir et que je me suis mis à me balader à droite à gauche. Mais j'ai du mal à voir comment tu peux terminer ce jeu, en fait, même l'histoire principale, en 17h, quoi. Sans avoir jamais joué au jeu et ne pas connaître les mécaniques, etc. quoi. Et du coup, je suis vachement surpris. Je pensais pas qu'il était aussi profond. Parce que tu peux, enfin, rien qu'en explorant, quoi, tu peux passer. Franchement, tu peux rien que l'exploration. Allez, je suis sûr, 2-3 dizaines d'heures facile. Juste l'exploration, quoi. Juste prendre ton pied à sillonner les routes avec ta moto et à dépouiller les caisses, les bâtiments, etc. quoi. 90 heures pour le faire à 100%. Ouais. C'est... Après, faire à 100%, il y a très peu de jeux que j'ai fait à 100%. Quoi. Vraiment très très peu de jeux que j'ai fait à 100%. Même les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, je les ai pas fait à 100%. Mais Mad Max, il m'avait bien attiré, quoi. Mad Max, il m'avait bien attiré. Peut-être que je le ferai, un de ces quatre. I smell it. Gotta be getting close. Parce que visuellement, il peut tabasser. Hein. J'ai vu, il y a pas mal de modes. Mais quand je l'ai installé, j'ai passé 2-3 heures à essayer de le faire fonctionner. Il fonctionnait pas sur mon PC à l'époque. There's another one. Time to burn. All right. Putain, mais sélectionne-moi les cocktails Molotov, quoi. Ok. Regarde, c'est les cocktails Molotov. Ah ouais, il y a des mods, il y a quelques mods qui traînent. Il y a surtout des reshades. Hein. Et notamment un reshade qui est basé sur le film Mad Max. Le dernier. Putain de... Enfin, j'ai vu des images, mais... Po. Laisse tomber, quoi. Et puis... Puis il y a des... J'ai pas encore mis le nez complètement dedans. Parce que là, j'ai pas vraiment l'utilité. Mais il y a des développeurs, maintenant avec Patreon, etc. Tu t'abonnes à leur Patreon et t'as accès à leur développement. Et il y en a qui développent des modes graphiques génériques pour ajouter du ray tracing dans les jeux qui n'en ont pas. Et
Et du coup, c'est bluffant sur certains jeux. J'ai vu tourner, mais c'est... ça change complètement le truc. Quoi. Mais putain, j'ai plus d'endurance. J'ai paniqué. Mais pourquoi t'as pas ton couteau? On a une putain de lame. Ah, fuck me. Sur la sélection d'armes, je comprends. Il y a certaines choses que je ne comprends pas. Merde. On a une putain de hache, quoi. Il attaque au couteau. Oh. Ça, par exemple, c'est vraiment merdique, quoi. Au bout de 15 heures de jeu, tu devrais pas galérer. Enfin, après, c'est peut-être moi aussi, quoi. Mais au bout de 15 heures de jeu, tu devrais pas galérer comme ça avec les commandes pour switcher d'armes, quoi. C'est... fuck, quoi. Bon. On a cramé... Putain, il y a un double nid ici, en fait. Il y en a un autre juste en dessous. On rentre par où? Par là? Ah ouais, il y a un autre nid ici, quoi. Alright. Bah, let's do this. Tu vois, là... Ok. Bon, je vais utiliser les chiffres pour changer d'arme, parce que... la molette et leur roue, là. Laisse tomber, quoi. Ok, j'aurais pas dû me mettre au snipe. Ok, on a nettoyé la ville. Parfait. Oh la vache. Alright. Bon, la ville est propre. Pas propre. Y a plus de nid, quoi. On est d'accord que Mad Max, c'est ceux qui ont fait les Batman. C'est Remedy. Pareil, Batman, même encore aujourd'hui, les derniers Batman, visuellement, ils tabassent, quoi. J'ai jamais réussi à finir un Batman, quoi. Pourtant, il y aurait de quoi faire. Ah, c'est Avalanche. Ok. Mais c'est pas... Il me semblait que c'était le même système de combat que Batman. Mad Max. On peut pas du tout forcer. Ici. Sherman's Cup. Ok. Il neige? C'est de la putain de neige ou c'est des cendres? Ah, c'est le même éditeur. Ok. Ok, c'est pour ça qu'ils ont dû récupérer le système de combat des Batman. Hein. Ça y ressemble quand même vachement, quoi. Putain, tout est fermé, quoi. Il y a des zombies à l'intérieur en plus. Ok, on a ce qu'on voulait de toute manière. On a fait même un petit extra. What the clue quantité max. J'utilise pas beaucoup, mais bon, on n'est pas retombé sur. Let's see what I can do.
On n'est pas retombé sur beaucoup de zombies, quoi, mais là, tout ce qui est mine de proximité, etc., j'utilise pas beaucoup. Allez, fais le plein. J'ai l'impression qu'il va pisser à chaque fois qu'il fait le plein de sa moto, quoi. Ah, oh, j'avais besoin de ça. Spicy qu'on en tirait dessus avec un snipe là tout à l'heure. C'est ça, ouais. Shit. Je crois bien que c'était ici. Ouais. Il était tout seul, le gars, dans la baraque ? Ah, il a pas peur, hein. Fuck, y'a personne. Someone's got to watch it. There's no more ambush drifters for you, huh? Ah, mais y'avait personne là tout à l'heure. Pourquoi j'ai entendu un gars en bas là? Oh putain! Is that all you had? What? What a win. Oh, come on, les gars! Bounty. Sérieusement? That's bullshit. Oh. Le gars, mon enchaînement était stoppé. Pour qu'il me tabasse à coups de batte, quoi. Saoulé. Plus l'entrée était jolie, là. La rentrée dans la maison et tout. Oh, man. J'ai encore plus envie de les défoncer du coup. Je devrais sauvegarder chaque fois qu'on fait le plein. En fait, je pensais pas qu'il y avait deux gars en bas. On n'a pas super été discret, enfin j'ai pas été super discret, je suis passé en moto, j'ai fait un dérapage, tout ça, enfin... Ok, et là il y a des zombies. Ok, est-ce qu'on peut, à la rigueur... Vas-y. C'est quoi? Venez par là, vous. Venez par là. Hop, 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 hop. On peut pas leur ramener les zombies là? Le sniper il est où là? Il est même plus là le sniper! Ils se sont fait défoncer par les zombies ou quoi? Ah putain, ça c'est dommage! Ça c'est dommage! Que la barrière soit pas destructible. Ok, ça change un petit peu mon plan là. Pour le coup. Ça change un petit peu mon plan. Tiens, je disais que j'utilisais très peu les... Je vais tester ça, là.
Ok, je vois comment ça fonctionne. Vraiment, vraiment ce que j'avais en tête. Nice. Voilà, bah, ce genre de truc avec une horde, ok, d'accord. Ok. Yeah. Ouais, je suis d'accord. Plutôt cool. Oh shit, what the hell happened here? Oh putain. Might be worth having a look around. Quel sens. Ok, mis à part l'essence et le chiffon, pas grand chose. Hein. Mais du coup, ils sont plus là les gars là. Hello. Y a quelqu'un? Je suis rentré. Je suis sorti et je suis revenu. Putain, mais c'est des spots, c'est des spots aléatoires. Ou alors ils sont là seulement ils sont là seulement à certaines heures. Chelou. Bon, ok. Bah à la place on a eu des zombies. On a pu tester un attracteur. Ah, complètement là. Là, il y avait des zombies aussi tout à l'heure là. Oula. Ok, il y a une voiture de flic, ça pourrait nous être utile. Putain, mais il neige, mais putain, c'est ouf. Merde, c'était pas cette arme-là que je voulais utiliser. Avec deux en fait. Okay. Ah non, il y en a une autre là. Oh putain non! 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 Monte! 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 Casse-toi! J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Psychologiquement, j'étais pas prêt. La zombie plus loup là, je... Oh la vache! Oh la vache, putain! Pourtant, on est dans le sud! On n'est pas au nord, quoi! Ou alors c'est... Y a, putain, ouais, mais ça glisse un petit peu en plus, hein. Ça glisse, oh, pardon. Eh, même sur le pneu, là, il y avait de la neige. Putain. Ah, putain, c'est... nice. Oh là 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 là. Il y a des saisons dans le jeu? Mais non... Genre, il y a des saisons... Genre, saison, quoi. Oh, putain, faut que je regarde ça. Ah, il n'y a pas de traces de pied. Ah si, il y a des traces de pied dans la neige. Ok. Bon, la meilleure neige que j'ai vue jusqu'à présent dans un jeu, c'était Red Dead Redemption, quand même. Je crois que ce jeu-là, il va falloir que j'y passe à un moment donné. Hey. Oh. Here's that knife you were looking for. Thank you so much. Yeah, no problem. Quoi, c'est tout? That's all?
Plus 300 confiance. La main à la patte. Oh, ce jeu de... Ouais. Oui. Complètement. Ce jeu de mots, la main à la patte. En fait, il va perdre sa main, le pauvre, quoi. La main à la patte. La main à la patte. Couper le bras de Bowser. Ouais. C'est triste.